Bon, il va falloir quand même un petit temps d'adaptation. Ah, j'ai tellement l'habitude du clavier souris pour les FPS. Puis on est quand même assez limité là. Ça sent les ennuis là. Allez, venez dans l'eau là les gars. Allez, et toi aussi. Ça serait sympa de d'ouvrir la porte là.
Bon, pour l'instant c'est sympa, mais on l'a visé avec la manette. C'est pas trop mon truc. En plus, ils bougent quand même assez rapidement. Ils sont assez vifs. Et puis on n'a pas de. Ah, on n'a pas des munitions non plus comme on veut. Hein. Donc il faut un petit peu faire attention. Hey Marie, tu viens au grand match ce soir? On m'a dit que c'était les Ryan Raiders qui jouaient. Pas question, Jim. C'est trop dangereux. Tu n'es pas au courant? Les bandits d'Atlas sont partout. Souviens-toi de ce que Ryan ah, je vais faire mon premier piratage. Alors comment ça marche? Mais là aussi avec la manette, je pense que ça va. Je me rappelle un petit peu, mais ça va être un peu plus chiant. Bon, il m'en faut un orienté vers le bas. Voilà, comme ça. Et voilà. Ah, et voilà, maintenant, je me rappelais qu'on pouvait pirater les distributeurs pour que ça soit moins cher. Oh la vache, là c'est rapide. C'est pas ça que je veux, j'en veux un, voilà. Un comme ça, ensuite un comme ça. Ça. Ah. Où je suis? Vite, vite, vite. Et voilà, impeccable. Et voilà, j'ai des prix réduits maintenant. Bienvenue à la farandole des prix. Alors, qu'est-ce qu'ils vendent? Ouais, mais j'ai que 58$. Alors. J'ai plus beaucoup d'ev. Allez. Je me prends quand même des munitions. Alors. Le docteur Steinman a dit que je sortirais aujourd'hui. Ryan n'est pas venu me voir une seule fois depuis l'attaque du Nouvel An. Mais le docteur était aux petits soins. Il m'a dit qu'une fois la cicatrice disparue, il allait me retaper en un rien de temps. Je serai la plus belle. Il est vraiment gentil. Et il s'intéresse beaucoup à mon cas.
Bon, je peux pas passer par là. Donc c'est par là. Ok, là c'est pas mal. Alors. Ryan et Ladan. Ladan et Ryan. Après des années d'études. Étais-je vraiment un chirurgien avant de les rencontrer? Nous gâchions nos coups de scalpel avec notre moralité désuète. Nous incisions un furoncle par-ci, rabotions un nez par-là. Cependant, pouvions-nous vraiment changer les choses? Je ne crois pas. Ladan nous donne les moyens de le faire. Et Ryan nous libère de l'éthique illusoire qui nous entravait. Changez d'allure, de sexe, de race. Votre corps vous appartient. Il ne tient qu'à vous de le modifier. Il y a du monde là. Putain, ils peuvent me toucher. Y'en a là. Là encore. Attrapez-les.
Allez. Le robot arrive mieux à viser que moi. De nouveaux problèmes aux professionnels de la médecine. L'évolution de nos outils entraîne celle de nos canons esthétiques. Voyez-vous, jadis, j'étais heureux d'enlever une verrue ou de révéler l'être humain qui se cachait derrière le monstre de foire. Mais c'était avant. Nous faisions, n'est-ce pas, avec les moyens du bord. Avec la dent, la chair humaine redevient cette argile originelle, ce matériau brut, riche d'une infinité de possibles. Ne serait-ce pas criminel de notre part de ne pas sculpter cette argile encore et encore jusqu'à ce que l'œuvre soit là, devant nous, inondée de sa perfection ? Oh la vache. Vous pouvez contribuer cette machine si vous voulez dire. De pirater ça. Allez, hop. Qui tourne vers là-bas, il est là. Et voilà, impeccable. Ouh, c'est chaud, hein. Les médecins leur prodiguent des soins gratuits, que les fermiers les nourrissent par charité. En cela, ils sont semblables aux dévoyés, vicieux et corrompus qui rôdent dans les ruelles, à la recherche d'une proie facile qu'il séquestrera et torturera selon son bon plaisir. Oh!
j'avais 16 ans à peine en arrivant dans les cours. C'est là que j'ai découvert l'amour, l'idolâtre passion que j'avais pour la science. Le docteur Nazi faisait des expériences. Parfois, il manquait de rigueur scientifique et faisait une erreur. Quand je lui faisais remarquer, il était furieux. Mais me demandait ensuite, « Comment tu peux savoir tout cela ?» Je répondais, « Je le sais, c'est tout. » Alors il hurlait, « Si tu sais, pourquoi me le dire ?» Et je lui disais, « Si vous êtes décidé à poursuivre dans cette voie, au moins, faites-le correctement. » Acheter le piratage, voilà. 10$, c'est pas excessif. Quand je vois que c'est quand même assez compliqué. Et là par là. Il arrive ou pas? Viens par ici, tu me fais faire. Je vois que la tourelle a un petit peu de mal là. Que certains importuns avaient découvert le moyen de pirater les distributeurs automatisés. Je n'ai pas besoin de rappeler à chaque résident de Rapture que la libre entreprise est le fondement sur lequel nous avons bâti notre société. Les parasites seront châtiés. Ouh. Oh la vache. Oh bah là, tombe à l'eau ça. Mais merde. Bienvenue à la farandole des prix. Quel est le plus grand mensonge de tous? Je vais faire avec ce que j'ai. L'esclavage, l'holocauste, la dictature. Non, c'est l'outil qui modèle tant de vilainie. Oh la vache. Merde, putain, je coince à cause du mur. Oh putain, il n'y en a plus des grenades. Mais non.
Bon, la flèche m'indique pas l'endroit là en premier. Ben, j'y vais ou pas? Picasso, voyez-vous, lorsqu'il s'est lassé de peindre les êtres humains, les a représentés par des polygones, des cubes, des formes abstraites. Le monde a crié au génie. Pendant toute ma carrière de chirurgien, j'ai modelé les mêmes formes, encore et encore, nez retroussé, menton fendu, poitrine opulente. Ne serait-il pas merveilleux que je puisse obtenir avec un bistouri ce qu'il a obtenu avec un pinceau? Ouais, bien caché là, quand même. J'essaye de suivre la flèche, mais en fait... Alors, je vais quand même regarder aux alentours avant. Peut avoir des trucs Stanman, intéressants. Je sais que le pavillon médical est votre domaine réservé, mais réfléchissez. Cet océan est glacial, plus froid qu'un couteau de boucher. Si on ne chauffe pas les canalisations, tôt ou tard, elles vont geler. Et si elles gèlent, tôt ou tard, elles vont éclater. Et tôt ou tard, Rapture va prendre l'eau. Je me rends compte que vous êtes plutôt du genre huppé, et franchement, je me moque éperdument de ce qui peut vous arriver. Cependant, si Rapture prend l'eau, nous courrons à la catastrophe. Et si ce jour-là arrive, croyez-moi, je ferai en sorte que Ryan vienne vous en toucher deux mots. Bienvenue à la farandole des prix. Sur Rapture, ne perdez pas le parasite de vue. Ok, allez. Une petite sauvegarde. Salut les mecs! Le petit Jésus par les poissons. J'entends ce gros zoom.
On se croirait le soir de la fête nationale. Les explosifs sont une denrée rare. Mais si vous mettez la main sur un plasmide de télékinésie, vous pourrez rattraper ces maudites bombes pour les renvoyer dans son gosier. Je qui vous parle la route. Ok. J'en ai pas besoin. Qu'est-ce qui se passe, Rock? C'est à cause de mes cheveux, Jim. Je t'ai gardé un peu plus tous les jours. Tu sais, le problème ne vient pas de tes cheveux, mais de tes chaînes. Hey, le Big Daddy, il pourrait l'ouvrir, ça. Mon ami m'a dit que c'était dangereux. Ton ami n'y connaît rien. Viens chez Horizon Génétique pour essayer le Néo Capillo. Non seulement tu auras des cheveux magnifiques, mais en plus, il n'y a aucun risque. Des cheveux magnifiques et sans aucun risque. Ok, donc là il faut sûrement que je trouve le plasmide de feu. Je suis beau. Je le sais bien. Regardez-moi. Pourrais-je affiner davantage cette perfection cosmétologique? La dent et mon scalpel m'ont métamorphosé. Mais ai-je pour autant atteint ma perfection? Qu'arrivera-t-il si ce n'est pas le talent qui m'abandonne, mais bien plutôt l'inspiration? Où est-ce que j'ai pas été? Bah ici, mais c'est pas, c'est fermé. Si, ça s'ouvre pas. Non. Mmh.
Alors ça doit être par là. Qui est là? Vous doutez de mes compétences? Ah, ah bah voilà. Mettez le feu et plongez vos ennemis dans la fournaise. Avertissement, les flammes peuvent se propager. Ouh, il y a du monde. Ah bah. Salut les gars, hein. Ok, j'ai les munitions spéciales. Ouais. J'en ai deux. Super intéressant. Allez, une petite sauvegarde quand même.